Benoît Chamontin au Centre des sciences de Montréal avec l'exposition Game On et Denis Talbot, le porte-parole. Je suis content d'être ici. On couvre une belle période ici, 1972 à nos jours. C'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais ticu. C'est le fun, ils sont tous ici, donc c'est comme si je revivais mon enfance. Est-ce que, justement, dans cette exposition, on revit toute l'histoire des jeux vidéo, mais toi, est-ce qu'il y a des bouts qui t'ont particulièrement intéressé? Moi, je me souviens d'une période où j'habitais à Ville-la-Salle. Il y avait un bowling là-bas. On allait jouer au bowling. Il y avait une machine qui était une machine de Frogger. Quand j'ai vu le jeu Frogger ici tantôt, je me suis dit, en tout cas, c'est un dérivé de Frogger. Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs. Il y a des machines comme ça qui ont marqué des générations. Pac-Man, Miss Pac-Man, les tables sur lesquelles on s'assoit autour de la table, puis on joue, on s'amuse à essayer d'éviter les fantômes. Il y en a ici également. Il y a un paquet de titres comme ça qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais ce que j'aime de cette exposition aussi, c'est pas une exposition statique. C'est que tu peux vraiment participer, toucher, vivre l'histoire, y goûter, puis t'amuser en même temps. Fait que c'est bien le fun. Là, ce soir, on a vu qu'il y avait beaucoup de monde, à la fois des personnes qui ont ton âge, des personnes qui sont plus jeunes, qui ont même 12 ans. Comment tu vois cette exposition? Comment t'expliquerais cette exposition à des gens qui ont peut-être jamais vu ce qu'ils vont voir, là? Ils vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'on joue au même jeu depuis 25 ans. Les bases des jeux actuels tirent leur inspiration, tirent leurs racines de créations qui ont été faites dans le temps. La première fois qu'on a joué à Doom, on trouvait ça fantastique, ou à Wolfenstein, d'avoir cette caméra au bout, à la hauteur des yeux, qui donnait l'impression d'être vraiment au niveau de l'action. Mais ça, écoute, c'est pas nouveau, c'est pas né d'hier, ça date de l'époque où ces jeux-là, des années 80, venaient de paraître. Donc, les jeunes vont constater que les jeux auxquels ils jouent en ce moment tirent leur racine de cette histoire qui est quand même très, très riche. Ça, c'est le fun d'avoir leur réaction. « Ah oui, ça vient de là! » On voit ça souvent. C'est une exposition qui tourne depuis 2002. Et on le voit, là, tu l'as dit, tout le monde peut participer. Mais il y a des soirées thématiques, en plus de ça, qui vont intéresser les gros gamers, là. Oui, écoute, il y a un écran IMAX ici. Il y a des trucs, je ne sais pas si je peux vous le dire tout de suite, mais il y a des trucs qui s'en viennent sur écran IMAX. Si vous aimez le rétro gaming, vous allez avoir du fun. Parce que jouer sur un écran qui mesure je ne sais pas combien de pieds de haut, là, à des classiques, ça risque d'être pas mal de fun, surtout en compétition avec les gens qui « Ah oui, vas-y! » Ça va être pas mal cool, ça s'en vient. Il y a des soirées musicales également qui vont être assez... Et il y a Julie Payette qui est là également. Merci Julie. Et puis donc, c'est un paquet de trucs qui s'adressent spécifiquement aux gamers, mais aussi aux familles. C'est pas juste pour les hardcore. C'est pour les ticus, c'est pour les papas, pour les grands-papas, parce que c'est les grands-papas qui étaient ici tantôt qui ont eu du fun aussi. T'sais. On va te retrouver avec ton fils alors dans une soirée? Là? C'est sûr. Ce fiston, quand il a su que je m'en venais ici aujourd'hui, il voulait absolument venir aussi. Je ne dis pas ce soir, c'est une soirée spéciale pour les journalistes, tout ça, mais c'est sûr que cet été, je vais venir faire un tour avec fiston. Un dernier mot pour ceux qui hésitent à venir en se disant « Ouais, moi j'ai ma console, je suis très bien dans mon salon. » D'accord, si tu veux comprendre d'où viennent les jeux auxquels tu joues en ce moment, viens faire un tour ici, viens voir ses origines. Tu vas te rendre compte que ce qu'on fait présentement sur les consoles, ce sont des versions améliorées de vieux classiques souvent qui ont marqué l'histoire. Et c'est ça qui est le fun avec Game On. Merci beaucoup. Plaisir.